Alors bonjour à tous, on est ravis aujourd'hui de vous retrouver au marché des terroirs. Alors marché des terroirs depuis maintenant, c'est la deuxième journée du marché des terroirs en collaboration avec la demeure de campagne et Sun Tourisme. Donc on a le plaisir aujourd'hui de retrouver plusieurs artisans locaux qui viennent principalement des Sun Tourisme mais aussi du 77 qui produisent de la confiture, nous avons aussi du miel et plein d'objets très sympas réalisés par les soins des exposants. Donc, on est assez ravis d'avoir le beau temps en plus aujourd'hui dans un lieu qui est quand même assez sublime. Donc voilà, venez nombreux, on vous attend. Donc voilà, je vais vous présenter mes couteaux. Donc, j'ai une série de couteaux pour l'office, alors ce qu'on appelle la table ou la cuisine. Des petits couteaux un peu plus utilitaires qu'on peut emporter. Sinon, vous avez des pliants un peu plus sophistiqués. Et ce sont des couteaux que je réalise entièrement moi-même. Voilà. Je dessine mes modèles, puis tout est fabriqué par mes soins. Si tu pouvais t'avoir moins 20 dans ta voiture, tu parles. Vous êtes tous bienvenus, on est ravis de vous accueillir pour cette toute première édition du marché des producteurs et artisans ici au demeures de campagne Parc du Coudray. Merci aux artisans et aux producteurs qui sont présents pour cette première édition. Et simplement dire merci à toutes les personnes qui nous ont aidés pour l'organisation, en premier lieu des Sun Tourisme, représentée ici par Monsieur Basile, premier vice-président des Sun Tourisme et conseiller départemental de l'Essonne. Merci à Grand Paris Sud, représenté ici par son Grand Paris Sud Tourisme, représenté ici par son directeur Fabrice Côté, et à la ville du Coudray-Monceau, Thomas Fréjac, conseiller municipal délégué au commerce, et bien sûr Madame Gros, qui je vais céder la parole dans un instant. On est très heureux d'accueillir cet événement pour faire vivre un petit peu ces lieux, puisque vous êtes ici sur un domaine de 20 hectares. Il y a beaucoup d'activités qui s'offrent à vous. Donc vous pouvez aller profiter du domaine par la suite pour découvrir le spa, peut-être découvrir le parc à Courbranches. Et puis bien sûr, ces belles branches qu'on est ravis de valoriser et de mettre en avant. Voilà, je cède la parole à Madame Le Maire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Camille. Alors, Monsieur le Premier Vice-Président Stéphane Basile des Sun Tourisme, qui est en charge aussi du tourisme au département de l'Essonne, c'est un plaisir pour le Coudray-Monceau que de t'accueillir ici, dans une des résidences tenues par Camille, qui est une résidence exemplaire, quelque chose qui fait briller aussi notre département de l'Essonne, donc c'est toujours un plaisir de se retrouver dans votre bel établissement. Monsieur Côté, Fabrice, cher Fabrice, merci de représenter Grand Paris Sud, puisque le tourisme est aussi une compétence partagée, qui est partagée par les agglomérations, par les départements, par les communes, et on est tous là pour faire vivre ce tourisme ensemble et montrer et valoriser nos territoires. Aujourd'hui, vous avez effectivement l'inauguration de ce superbe marché du terroir dans les résidences, les demeures de campagne du Coudray-Monceau, mais ces deux jours dans les demeures de campagne ont en fait commencé hier au centre commercial du Coudray-Monceau, puisque nous avons inauguré ces trois jours de, alors il ne faut pas dire balade du terroir, parce que j'ai Jean-Baptiste qui me surveille, il ne faut pas dire ça, mais pour inaugurer ce chemin de découverte de notre patrimoine culinaire, de nos artisans essonniens dont nous sommes extrêmement fiers. Vous le savez, moi j'ai dirigé le comité départemental du tourisme pendant quelques années. Il a été totalement reformaté, il a intégré les produits du terroir et aujourd'hui l'intérêt c'est de montrer à nos habitants qu'il existe des forces vivres sur le territoire, qu'il existe des personnes qui font vivre notre territoire au quotidien et c'est l'ensemble des producteurs et artisans qui se trouvent là aujourd'hui, donc j'aimerais qu'on les applaudisse parce que c'est grâce à eux que ce salon est une réussite. Donc merci à tous d'être présents aujourd'hui au Coudray-Monceau, continuez à faire vivre notre territoire essonien, continuez à valoriser les produits de notre territoire essonien, parce que l'Essonne, c'est un endroit où il fait bon vivre, et les Essoniens ont beaucoup de talent, comme j'aime à le dire. Donc bienvenue au Coudray-Monceau, et longue vie à ce marché, qui j'espère se renouvellera chaque année. Et enfin, pour terminer, j'aimerais remercier tout particulièrement Thomas Fréjac, qui est conseiller municipal au Coudray-Monceau et qui s'investit énormément pour nos petits commerces
qui s'investit énormément pour faire vivre le territoire et trouver des animations un petit peu différentes sur la ville du Coudray et faire vivre justement les petits villages que nous sommes. Parce que vous savez, quand on est un petit village comme le nôtre, on est entouré de plein d'immenses grandes surfaces. Et il faut ramener aussi nos Coudrésiens, nos habitants, nos citoyens vers le commerce local, et c'est ce qu'on nous défendons au Coudray-Monceau. Donc merci à toi de t'investir autant pour la ville du Coudray-Monceau. Merci à tous et je vous souhaite une excellente journée. Moi je le mange avec de la pomme, mais on peut le manger avec sur une tartine. C'est pas mauvais, hein. Super. Et donc là, effectivement, je suis sur une base de résine claire, beige claire. Je vais prendre en sandwich la fleur de Nigel et je vais repasser à nouveau une deuxième couche de résine pour effectivement la figer. D'accord. Ok. Super. Et du coup, des fois, je prends sandwich la fleur ou alors je vais la travailler à l'état brut. Mmh. Où là, je vais travailler sur le vrai bouton de rose. D'accord. Que je vais cueillir, que je vais faire sécher. Ouais, et après, effectivement, d'accord, je vais l'entourer de résine pour qu'il reste dans le temps. D'accord. Ce produit-là, par exemple, il m'a fallu plus d'un an pour le travailler parce que la résine, c'est comme du miel. Ah oui, ça c'est magique. Sur les saladiers, sur dès qu'ils restent dans un bol, etc. Hop, vous mettez ça, ça s'adapte, il y a un élastique et comme ça vous adaptez. Les lingettes, donc zéro déchet, plus de coton, donc du coton de bambou qui est très très doux. D'accord. Vous prenez votre petite lingette et vous avez un petit filet, vous mettez dedans votre petite lingette et toutes les semaines, lavage, séchage. À la machine. Exactement.